sur les côtés O1 et OB d'un triangle OAB, rectangle en O, on construit les carrés OACD et OBEF à l'extérieur du triangle OAB. Démontre que la hauteur du triangle issu de O et les droites AE et BC sont concurrentes. Voici ce triangle rectangle OAB et voici les deux carrés dont on parle dans l'énoncé. Pour démontrer la propriété, nous choisissons par exemple ce système de référence dans lequel les nombres petit a et petit b sont strictement positifs. Voici la droite BC. Son équation cartésienne s'écrit y moins b est égal à moins a moins b divisé par a moins 0 fois x moins ce 0, comme ceci. Cette équation mène vers celle-là et s'écrit plus simplement comme ceci. Voici la droite AE. Son équation cartésienne s'écrit y moins 0 est égal à b moins 0 sur moins b moins a fois x moins a. Nous la transformons comme ceci et nous l'écrivons sous cette forme canonique-là. Le point I, c'est le point d'intersection des deux droites BC et AE. Pour trouver la coordonnée de ce point I, il suffit de résoudre le système d'équations formé justement par l'équation cartésienne de la droite BC et l'équation cartésienne de la droite AE. Calculons d'abord le déterminant de ce système. La première colonne, c'est la colonne des coefficients de x, et la deuxième colonne, c'est la colonne des coefficients de y. Nous avons pris le soin de mettre les termes indépendants à droite du signe d'égalité. Ce déterminant se calcule par a plus b fois a plus b moins b fois a. Donc c'est a plus b au carré moins ab, c'est-à-dire a au carré plus 2ab plus b au carré moins ab. Donc, comme déterminant du système, nous trouvons le nombre a au carré plus a fois b plus b au carré. Et ce nombre doit être strictement positif vu que a et b le sont. Par conséquent, ce déterminant n'est pas nul et nous pouvons appliquer la méthode de Cramer. Nous obtenons x en formant cette fraction, un déterminant sur le déterminant du système. Pour obtenir ce numérateur, dans le déterminant d, nous remplaçons la première colonne par la colonne des termes indépendants, donc ici ab, ab. Nous obtenons ab fois a plus b moins ab fois a, divisé par le déterminant D, c'est-à-dire nous obtenons AB au carré sur A carré plus AB plus B carré. Nous obtenons le Y en formant cette fraction-là. Le dénominateur, c'est le déterminant du système. Le numérateur, c'est le déterminant que nous obtenons en remplaçant dans le déterminant D la deuxième colonne par la colonne des termes indépendants, donc AB et AB. Nous calculons ce déterminant par A plus B fois AB moins B fois AB, donc comme ceci, ce qui mène très vite vers A au carré B divisé par A carré plus AB plus B au carré. Donc cette fraction-là, c'est l'abscisse X du point d'intersection I. Et cette deuxième fraction, c'est l'ordonnée Y de ce point d'intersection I, donc comme ceci. Pour démontrer la propriété demandée, il suffit de démontrer que le vecteur OI est orthogonal au vecteur AB. Donc, il suffit de démontrer que le produit scalaire de OI avec AB est nul. Calculons ça au moyen des coordonnées.
La coordonnée du vecteur OI, c'est celle de I, donc c'est celle-là. Et la coordonnée du vecteur AB s'obtient par celle de B moins celle de A, donc par 0 moins A, B moins 0, donc moins A, B. Ce produit scalaire s'obtient par abscisse fois abscisse plus ordonnée fois ordonnée parce que nous avons choisi un système de référence orthonormé. Donc, nous obtenons la somme de ces deux fractions, le dénominateur est commun et les numérateurs sont exactement opposés. Donc, la propriété à démontrer est vraie si et seulement si 0 est égal à 0, ce qui suffit.